six derniers signes du zodiaque et c'est pour la semaine du 1er au 7 janvier 2018. On commence donc par la balance. Côté cœur, ça se complique. Deuxième décan, vous n'aurez pas forcément la main dans votre histoire de cœur. Méfiez-vous des petits tourments de la passion et des guéguerres qui vous laisseraient surtout amer. Côté pro, des choses vous échappent. Des secrets de polichinelle compliquent vos rapports avec les gens. Des inquiétudes plus ou moins fondées font monter la pression. Ne mettez surtout pas les pieds dans le plat. Scorpion, côté cœur, ça vous touche en plein cœur et vous respirez le bonheur. Deuxième décan, ça vibre, ça commotionne, l'imagination érotique se débride, les rapports sont francs et généreux. Quel tempérament! Côté pro, vous saurez prendre les événements à bras-le-corps, mobiliser vos ressources combatives et frapper un grand coup. Tout ce que vous entreprendrez jusqu'au 13 janvier risque de vous réussir, deuxième décan. Alors go! Sagittaire, côté cœur, climat sentimental discret pour un Sagittaire qui n'a aucune vraie raison d'en découdre avec Cupidon. Votre force de la semaine sera surtout relationnelle. C'est bien à l'extérieur de chez vous que vous vous épanouirez. Côté pro, on rencontre, on bavarde, on s'amuse, on brille par son savoir-dire et on se sent diablement à l'aise en société. Rien d'extraordinaire, mais ça donnera un côté convivial et animé à ces premiers jours de l'année. Capricorne, côté cœur, le cœur donne dans le velours, deuxième décan, rapprochement sensuel ou attention ultra romantique. En tout cas, ça vous touche, ça vous émeut, ça vous attendrit et ça finit souvent au lit. Qui dit mieux? Côté pro, une volonté acharnée vous guidera dans vos projets, deuxième décan. Plus de passion et plus de conviction pour vivre plus intensément. Un peu plus d'assurance et d'autorité aussi. Avancez vos pions et ne laissez personne vous griller. Verseau, côté cœur, ne gâchez pas ce début d'année en critiquant tout ce que l'autre fait et dit ou en multipliant les petites crises de jalousie. Mais que faites-vous donc de la tendresse? Quel drôle de caractère, deuxième décan. Côté pro, forcer les barrages coûte que coûte pourrait bien être votre devise du moment, deuxième décan. Vous imposez plus que parlementer, agresser trop facilement et penser que tous les moyens sont bons pour parvenir à vos fins. Poisson, côté cœur, votre ciel de la semaine est un canon à émotions fortes. Deuxième décan, contact des peaux presque magiques, sensualité mordante et qualité de l'entente sexuelle pour atteindre à coup sûr le septième ciel. Côté pro, vous allez sans doute nous épater. Deuxième décan, on ne fera pas plus opiniâtre que nos courageux poissons de ce début d'année. Il y a sans doute une manche à gagner et surtout pas question de lâcher prise avant d'avoir repris la main. Votre grand horoscope 2018, décan par décan, vous attend sur le 3267. L'ambiance de l'année, vos amours et vos chances au travail sont détaillées selon les périodes. C'est pour vous que je l'ai fait. À très bientôt !